Alors c'est parti pour la démo. Les chroniques de l'historien Morse relatent les faits suivants. Valisthea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Les cristaux-mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête. La quête des cristaux. C'est bien trop ça. Le jour se lève. Les deux camps commencent à s'agiter. Vous connaissez notre cible. L'émissaire de Shiva. Et uniquement l'émissaire. C'est une femme. On risque pas de la rater. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle sera là? Tu sais très bien que tant qu'on a ces marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va. Déconne pas, Wyvern. Aujourd'hui, tout va dépendre de toi. Je sais, sergent. C'est par ici. Suis-moi. Je
Appuyez sur un menu dans le bas droit. Sauvegarder la progression du jeu, d'accord. Faut pas perdre de temps, ça va bientôt être. Oh merdier! Faut se bouger! Bonjour Carnage. On arrive juste à temps. Rebonjour. Désolé pour le dérangement tout à l'heure, mais je croyais qu'il allait lancer des pépés, donc je voulais te le dire. Mais a priori, Noël a changé d'avis. Se poser la question si ça pouvait être bien de le faire avec les gens du chat et tout. Puis à un moment, il y a du monde qui a dit ouais, on est chaud. Il a dit bah, je fais une game et puis après, on essaye. Puis après, on a pu reparler alors. Parti comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Ouais, c'est sûr. On porte. C'est pas les mêmes joueurs, forcément. Qu'est-ce que ça signifie? Vous refusez? Nous sommes alliés. Valeud se doit de nous aider. Mais justement, a priori, ils savent pas du tout comment ça va se dérouler, si ça va push dans tous les sens, ou être obstacle, ou tout ça, quoi. Donc ils voulaient faire des trucs pour se préparer un peu à toute la situation, quoi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Bah ouais, c'est vrai que les gars, s'ils vont là-bas, c'est pas pour se faire tuer au premier truc, quoi. Mais après, je crois que la première partie du tournoi, t'as autant de games que tu veux, non? Il n'y a pas un truc comme ça? C'est pas les meilleurs games qui comptent ou un truc, je sais plus. Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant. Ne faites-vous pas confiance à votre armée? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas? Vous vous en sortirez. Ben oui. Et puis... Il manque que toi, en fait, quoi. Votre émissaire n'est pas encore intervenu. Ouais, c'est ça, au début, c'est 5 meilleurs qui comptent pour sélectionner. Que vous gênez. Et d'après nos espions, le royaume de fer dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle... Et lui, il peut pas y aller, du coup. La capitale sera alors... Ouais, tu m'étonnes, ouais, c'est vrai que... Alors ouais. Que nos soi-disant alliés... Ouais, lui, c'est un peu chaud, c'est vrai. Non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il ne reste que moi. Revenez! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au Verponant. C'est fini pour eux.
Il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde sur la chaîne pour que ça finance des voyages comme ça. Hugo. Bénédicta. Prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Bénédicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. Bon, on va rejouer quand même. C'est un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. Affirmatif. Passe devant. Sans pas l'embrouille déjà. Attendez. C'est pas normal. Le mec devait en avoir marre de se faire massacrer. Ah, c'est un gros modèle, ça. On dirait que les sandrouilles sont pas en reste. On bouge. On n'a pas le temps de traîner, Wyvern. Bouge! Ah ben je veux. Bordel! Brouille-toi! Par ici! Ah non, mais...
assez pour tout casser. Reprends-toi, Wyvern. Tu sais qu'on a une mission à finir. Fini. Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Regarde, tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein? On va commencer par revoir les bases. Allez, fais voir ta technique. Alors, les bases. Allez, qu'attends-tu pour faire un enchaînement? Très bien. Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie? Phénix t'a accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. Allez, Clive! Montre-moi tes sorts de feu! Magnifique! La pratique est la seule manière d'atteindre la maîtrise. Lance-toi! Oui, continue! Whoa!
Clive, montre-moi tes talents en matière de... Bien joué. Ah, de rien, de rien. À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. C'est trop d'éloge, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de... ta défense? Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups, si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes. Est-ce que tu vas arriver à éviter ça? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ce n'est pas vraiment le moment de faire ça! Raté! Superbe esquive! Je ne te savais pas si agile! C'était formidable! Essaye d'esquiver mes attaques. Observe bien chacun de mes mouvements. Mais qu'est-ce que tu fais? Es-tu un gardien ou un gardon? Montre-lui, Clive! Bien. N'oublie pas, Clive, tu dois apprendre à contrôler ton corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phoenix, et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Alors, je t'attends! Talent primordial. Ah ! Tu as tout compris. Il faut que tu trouves la faille. Ah ! Impressionnant. Ah oui, je trouve aussi. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs, j'y pense, tu n'es pas un peu fatigué? Tu devrais te soigner. Alors, possible de récupérer les points de vie en utilisant un objet. Bien nommé, interface préalable. Thème potion. Alors. Objet. Attention. Accès rapide. 4. Eh bien alors ? Très bien. L'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phoenix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment.
Assez d'échauffement. On va passer au test. Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Enfin, un combat sérieux. En garde! Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. À vos ordres, maître. Allez, jeune homme. Maintenant, passe à l'attaque. Vas-y, je sais que tu vas arriver à le battre. Tu vas y arriver, Clyde. Concentre-toi. Vraiment sur un champ de bataille, tu serais mort. Allez, tiens bon! Je ne peux pas ranimer les morts. Ne ménage pas ses efforts. Continue, Clive! Déjà, je disais, grâce à l'élixir tunis crève, dans flamme émergente, R2 carré. Je dois me rendre à l'évidence. Va falloir que je me batte sérieusement maintenant. Même pas à te soigner tout seul. Il va falloir remplir mieux ton rôle, mon garçon. Tu ne gardes pas grand-chose actuellement. Il faut que tu te reprennes. T'es bien débrouillé. Ça n'a pas été facile. Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de pacotille à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause ? À vos postes ! Joshua, ce n'était rien. Le pouvoir de Phénix est précieux. Ne le gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Tu vois ? Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour ! Père est revenu ! Hey. Oh,
Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Cher sujet, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté. À votre service. Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Viens, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général. J'arrive. C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il a pas hérité de Phoenix. Suivons-les. Bien. Repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment? Silence, Talcor. Mais arrête! Du calme! Ce sera un allié de taille plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique? Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, Majesté. Maintenant, rompez! Comme ça, hein? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Bien. Si vous maintenez le 3 en direction, c'est l'objectif de l'épopée indiqué. Ça va. D'accord, cette fonction est utile pour trouver la voie à Rouen. Est-ce que la guerre arrive? J'en ai bien peur. Je dois parler avec Père. Allez, ne traînez pas. Activez-vous. Mmh.
votre pomme. Pardon, Seigneur Oswald. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Je vous importune. Navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, Votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons, relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, Seigneur. Nous suivrons, bien sûr, vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, Votre Altesse. Bonne journée, alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein? J'aime comme cet endroit est calme. Joshua est là! Clive, c'est la guerre qui t'inquiète. Je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de Phoenix, mais je sais pas si j'y arriverai. Ne t'en fais pas, Joshua. Père va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. De rien. Est-ce bien compris? Le pouvoir de Phoenix qui s'est incarné en Joshua est unique au monde. S'il lui arrive... Ce soir, vous le paierez très cher. Bonne chance. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici, à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du Nord. Même si nous pouvons les détourner vers le Sud, vers Port Iseux, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le Royaume de Fer ? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal mère, il nous sera difficile de protéger nos terres.
Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Au nom du Cristal-Mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martial, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais, j'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Ouais. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fange Brune. Votre but ? Les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. L'option chronographie accessible en maintenant permet de venir à la... actuel. Elle est où la porte ? Est-ce qu'il faut que je lui dise ? Cette guerre qui approche. Ce n'est pas qu'une question de mainmise sur les cristaux-mères. Qui plus est, il faut impérativement empêcher le royaume de fer de reprendre pied sur le continent du Verponant. Je sais. Hors de question de les laisser débarquer sur nos terres. Veillez sur mon père et mon frère demain. Compte sur moi. Je te souhaite bonne chance pour ta mission. Salutations, Seigneur. Combien de temps pars-tu, cette fois ? Pas longtemps. 4 jours. Peut-être 5. Et tu comptes emmener Joshua ? C'est l'héritier du sang des Rosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au Fort Phénix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phénix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume ! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phénix. Le futur archiduc. Tu sais,
Il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwynn ! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwynn. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu ? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai ? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors. Pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre, c'est ça ? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas ? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive ? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phoenix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Désolé, Ambroisie.
Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère. Bonne route. Bien. Nous partons pour le Fort Phénix. Que la bénédiction du cristal nous protège. Que le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité. Sa Majesté s'en va. Levez la herse. Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au Fort Phénix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont enquêtés, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège.